بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على النبي المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وسيد المخلوقات أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, le sujet qui est évoqué par les organisateurs étant la modération islamique, et comme il y a un ouvrage de Cheikh Al-Qaradawi qui est traduit et à votre disposition dans ce stand, entre autres ouvrages, il en existe plusieurs qui parlent de la modération, mais si on parle de la modération islamique, ou si du moins on traduit la notion arabe de Al-Wasatiyya, qui est évoquée dans le texte coranique, dans la sourate 2, sourate Al-Baqara, où Allah Azza wa Jal parle de ja'alnakum ummatan wasata. Alors ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi, donc la question du témoignage, mais la question du juste milieu, ou la question de la umma wasatiya, la umma du juste milieu. Il ne faut surtout pas que d'aucuns interprètent selon leur analyse ou leur expérience, le terme de wasatiya comme étant ce qu'ils considèrent eux comme étant le juste milieu par rapport à leur éducation, par rapport à leurs habitudes, à leurs us et coutumes, par rapport à ce qu'ils ont pu étudier en fait de religion, par rapport à ce qu'ils entendent autour d'eux. Toutes ces thèses qui sont malheureusement très largement diffusées autour de la religion en général et de l'islam en particulier pousse de nombreuses musulmanes et de nombreux musulmans à avoir une idée ou une définition erronée de ce qu'on appelle al-wasatiyya, ou le juste milieu, la religion islamique, l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu cette mission de transmettre un message, l'ultime message divin, n'a jamais eu de dilemme quand il fallait choisir entre deux options. Il a toujours opté pour l'option la plus facile et la plus simple. Non pas qu'il était laxiste ou qu'il cherchait à pas faire le moindre effort, loin de là. Il a fourni tellement d'efforts et il a tellement souffert, sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission du message, qu'on ne peut pas l'accuser de laxisme. Mais lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lequel est le premier législateur, et celui qui, pour tous les croyants, tous les musulmans, est celui qui a transmis le message, celui qui a commenté le texte coranique qui lui a été révélé à lui, et c'est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal dans l'absolu. Donc, dans le credo musulman, dans l'attestation de foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, mais en même temps, c'est la meilleure créature est celui qui est, dont les propos sont incontestables, comme disait l'imam Malik, l'imam de Médine, disait « Min kullin », quel que soit l'individu, quel que soit l'être humain qui s'exprime, il peut être l'érudition personnifiée. Quelle que soit la personne qui parle, qui avance des thèses, on peut avoir, on peut faire un choix et on peut avoir de manière sélective, je dirais, on peut adopter ses propos de manière absolue, de manière partielle, on peut accepter certains arguments, on peut en rejeter d'autres. Mais en faisant allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en le montrant, en indiquant son tombeau directement, parce que je rappelle que l'imam Malik est né à Médine, il a vécu à Médine et il est mort à Médine, et il est enterré à Al-Baqi à Médine. C'est l'imam de Médine, celui qui a le fameux traité de fiqh et de hadith qu'on appelle Al-Muwatta, et qui est l'imam Malik, qui a laissé le courant juridique, le malikisme, Al-Malikiyya.
Et le Malik dit, يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ كُلِّ إِنسَانِ مِنْ كُلِّ إِنسَانِ quel que soit l'individu qui peut être, je dirais, le plus érudit de la planète, il peut dire des choses sensées, d'autres insensées. Excepté celui qui gît dans ce tombeau, en indiquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète a avancé, ce n'est pas du Coran. Ça peut être une interprétation, mais ce n'est pas du Coran. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il parlait de religion, donc depuis qu'il a 40 ans et jusqu'à sa mort à 63 ans, tout ce qu'a pu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentifié, eh bien notez mes frères et mes sœurs que c'est une forme de révélation. La révélation c'est le Coran, les paroles de Dieu, mais les paroles du prophète sont une révélation aussi. En sharia, en droit musulman, quand on parle de droit musulman, des textes fondateurs, on parle de le Coran ou le sunna. Hadith au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète, sont une forme de révélation. Le Coran dit, in huwa illa wahyu yuha. Donc quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa ma yantiqu anil hawa, il ne parle pas dans le vide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou toutes les actions qu'il a pu mener, tous les actes qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tout ce qu'il a pu dire, eh ben il faut le consigner, l'enregistrer comme étant une révélation, une demi-révélation, une forme de révélation, mais Allah a dit que tout ce qui sortait de la bouche du prophète était une révélation, une inspiration. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aujourd'hui, comme il y a eu dès le 3e siècle de l'islam, il y a eu et il y a toujours une catégorie de musulmans et de musulmanes qui rebondissent sur certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler de al-wasatiyya ou de la modération islamique en nous disant qu'il existe plusieurs schismes en islam, plusieurs fractions, et que toutes les fractions sont égarées, excepté une, celle qui a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que la communauté s'est divisée, et que chacun prétend être celui qui a raison, et celui qui est avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question de la modération s'impose là, entre les musulmans et les musulmanes qui sont d'un laxisme notoire. Je m'explique. Croire que l'islam, ce n'est qu'une forme, je dirais, d'appartenance à une communauté, non pas au niveau de la pratique religieuse, pratique cultuelle, mais oui, je suis intimement convaincu qu'il existe Allah, un Dieu unique, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. J'y crois intimement. Quand vient le mois du Ramadan, je jeûne ce mois de Ramadan, sauf si je suis malade ou en voyage. Si je suis aisé, si j'ai de l'argent, une épargne conséquente, je verse la zakat, je la donne aux pauvres nécessiteux comme cela est inscrit. Et je fais le nécessaire pour accomplir le pèlerinage au moins une fois dans ma vie. Tout cela, qui sont les quatre actes cultuels des cinq piliers de l'islam, les musulmans en général les respectent sans aucun problème. Mais est-ce que l'islam se résume à ces quatre actes cultuels? Tout le monde hoche de la tête et dit bien sûr que non. Ça rien. Mais la vérité, c'est-à-dire sur des éléments factuels, des faits, concrètement, dans nos sociétés, parlons des musulmans en Europe, parce que nous sommes des musulmans et nous vivons en Europe. Qu'en est-il des comportements? Qu'en est-il? Je parle à l'échelle macro-sociologique pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est assez représentatif déjà. Qu'en est-il des comportements des musulmans et des musulmanes dans leur milieu professionnel, dans la rue, dans les moyens de transport? Tout à l'heure, un frère avant moi à cette tribune évoquait les bus, les métros, les RER, dans la rue, dans les cités, dans les quartiers, dans les centres commerciaux. Qu'en est-il des comportements des musulmans avec des gens qui en apparence ne sont pas des musulmans, des non-musulmans? Qu'en est-il de ces contacts entre êtres humains hors sphère d'adoration, c'est-à-dire pas dans les mosquées, pas dans les endroits où les musulmans se recueillent ou se réunissent pour avoir un exercice spirituel plus ou moins intense, mais qu'en est-il de nos relations en tant que musulmans avec des gens
dont on ne sait rien. On ne sait pas s'il est musulman ou pas, un homme, une femme, un jeune, un vieux, un méchant, un gentil. Comment nous comportons-nous? Eh bien, c'est exactement là où on met le doigt dessus. C'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient pour nous dire, dans un hadith qui est on ne peut plus célèbre, et dont l'authenticité n'est même pas discutée eu égard à la chaîne des transmetteurs, et le hadith est rapporté conjointement par deux imams, le Bukhari et le Muslim, qui confèrent à ce hadith un degré ultime, c'est le degré le plus élevé dans la chaîne d'authentification des hadiths. Ne peut prétendre être musulman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nuit, non pas à un musulman, mais celui qui nuit à une autre créature, celui qui nuit à autrui, celui qui cause un préjudice de quelque nature que ce soit à autrui, ne peut pas prétendre être un parfait musulman ou être quelqu'un de stabilisé dans le chemin de la crainte révérentielle et de la foi. C'est pas possible. Cela veut dire que c'est rédhibitoire, et comme les exemples fusent dans les hadiths, et des compagnons, des femmes de compagnons, qui ne rataient pas une prière, qui faisaient des aumônes régulièrement, qui jeûnaient plus que le mois du Ramadan, ils jeûnaient en plus les lundis, les jeudis, comme c'est une sunna, les 13, 14, 15 des mois lunaires de chaque mois, Ayyam al-Bayt, 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, ils jeûnaient les jours de Ashura, de Tessoua, le 9e et 10e jour du Muharram, ils jeûnaient quand ils n'étaient pas en pèlerinage, le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafat, le jour du pèlerinage. Pour celui qui est en pèlerinage, il ne jeûne pas, mais celui qui n'est pas en pèlerinage, c'est une tradition, une sunna de jeûner ce jour. Et ainsi de suite, 6 jours de Shawwal après Ramadan, ils faisaient des sunnas. Il y en a qui vont à Umrah tous les ans, ou plusieurs fois par an, et qui accomplissent des œuvres pieuses. Mashallah, c'est très bien. Tout ça, c'est positif, et c'est de bon augure, c'est très bien. Mais si les comportements de ces mêmes personnes qui adorent Dieu, quand bien même elles adorent Dieu avec sincérité, c'est pas la question, c'est là le problème. C'est que Allah Azza wa Jal dit que ces créatures à Dieu qui nuisent à d'autres créatures, qui sont toutes des créatures de Dieu, ben, Dieu n'agrée pas ces comportements. Vous rendez compte? Car on ne donne rien en adorant Dieu, on ne donne absolument rien. Ça, c'est l'équation, la première, le postulat de départ pour la communauté musulmane, c'est cette équation-là. Quand le croyant est croyant, il ne donne rien à Dieu, il n'ajoute rien au pouvoir, à la royauté de Dieu, rien. Ce n'est qu'une épargne relative pour l'intéressé. Quand tu pries, ou quand tu donnes aux orphelins, aux nécessiteux, etc., quand tu fais des bonnes œuvres, et quand tu adores Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu vas en pèlerinage, tu ne donnes rien à Dieu, tu te donnes à toi-même. Tu te garantis un certain équilibre qui te permet de faire face aux vicissitudes de ce bas monde. Et le croyant qui croit qu'en adorant Dieu, il donne, il offre à Dieu quelque chose, il n'a certainement pas compris ce postulat de départ, et surtout le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, si toutes les créatures de Dieu depuis la première, les djinns et les humains, depuis le premier djinn que Dieu a créé, le premier humain, jusqu'au dernier djinn et au dernier humain, toutes les créatures de Dieu, se mettaient toutes à adorer Dieu, à l'implorer, à pleurer, à lire le Coran, se prosterner, matin, midi et soir, cela n'ajouterait absolument rien à la royauté et au pouvoir de Dieu. Et si toutes ces créatures-là, de la première à la dernière, devenaient mécréantes et se mettaient à commettre les pires crimes et à se détourner du droit chemin et à commettre des péchés, à adorer autre que Dieu, cela n'enlèverait absolument rien au pouvoir de Dieu. Et ce hadith-là est un hadith également authentique. Et il faudrait que nous le méditions davantage, parce que beaucoup de musulmans et de musulmanes marchent sur des coussins d'air. Ce n'est pas parce que je fais mes 5 prières quotidiennes, et que je jeûne, et que je lis le Coran, et que je suis bon avec les gens, ceux que je rencontre relativement,
Il ne faut surtout pas croire, il ne faut pas être imbu de sa personne et orgueilleux. Et il y a des musulmans qui se permettent de juger d'autres musulmans parce qu'ils ont des comportements, selon la personne, qui ne sont pas dignes. Ça, c'est encore une fois rédhibitoire, comme dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ne juge pas autrui et ne te moque pas d'autrui et ne considère pas qu'autrui est égaré et qu'il sera une bûche pour l'enfer. Pourquoi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que, à force de le faire, et si tu le fais, Dieu peut très bien le guider vers son droit chemin et le faire rentrer au paradis, et toi t'égarer et te faire rentrer en enfer. C'est un hadith authentique. Alors pourquoi j'évoque tous ces, sous ce hadith et tous ces éléments qui sont des éléments incontournables pour pouvoir lancer le débat sur la question de la modération islamique. La question de la modération, je parlais de l'orgueil à l'instant, ceux qui sont musulmans, qui prient, qui jeûnent et qui se croient supérieurs à d'autres musulmans ou qui se permettent de juger d'autres musulmans disant qu'ils sont dans l'innovation, dans l'égarement manifeste, dans ça a existé, c'est pas nouveau. Il ne faut pas être étonné des problèmes de société que vit la communauté musulmane de par le monde. Elles existent depuis le 1er et 2e siècle de l'Hégire. Donc, c'est depuis le 9e siècle de l'ère chrétienne que ça existe. Ce n'est pas nouveau. L'histoire se répète, mais elle se répète avec plus ou moins d'intensité. Dans les premiers siècles, il y avait au moins des débats houleux, des questions polémiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Les gens écrivaient, c'était un débat d'idées. Et beaucoup de sang, malheureusement aussi, à cause des peines encourues, etc. Mais aujourd'hui, on a un débat, on a une coquille vide. On a une coquille vide aujourd'hui. Et donc, la question de ces débats stériles, des débats houleux parfois, qui sont des débats inutiles et qui ne sont absolument pas des débats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cautionnerait. Dans la mesure où tout ce qui n'est pas productif, tout ce qui n'est pas réparateur ne peut pas être cautionné par un musulman, je dirais, qui respecte le livre d'Allah et sa sunnah. C'est pas possible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, quand je parlais de l'orgueil il y a quelques instants, cet orgueil, la vanité, cette arrogance qui furent exactement la raison de la condamnation de Satan. Il faut se souvenir et méditer ne serait-ce que cet événement qui est connu de tous. Dieu crée les djinns d'abord, les êtres Adam après, et vous connaissez l'histoire, la jonction où Iblis, Azazel, appelez-le comme vous voulez, Lucifer, Azazel, le mal, Satan, Iblis est interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle créature? C'est Adam, créé de d'argile, etc. Et dans Sourate Al-Baqarah, vous avez le détail, quand il y a ce dialogue qui est instauré entre Dieu et les anges, et qui est pédagogique, c'est une didactique divine, si je puis dire. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc lorsque Dieu décide de créer une autre espèce, un autre type de créature que sont les êtres humains, évidemment, les anges qui constatent les dégâts commis sur terre par les djinns qui vivent seuls sur terre pour l'instant. Disent, oh Dieu, tu ne veux pas créer une autre espèce, ne vois-tu pas les créatures que tu as créées sur terre qui commettent des crimes qui... Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il crée Adam. Ensuite, vous connaissez l'histoire, l'épisode qui est repris dans tous les textes religieux, dans le Coran également avec précision, il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs occurrences de l'histoire dans le Coran. Quand Dieu demande, ordonne aux anges de se prosterner, non pas pour adorer cette nouvelle créature qu'est Adam, mais de se prosterner devant la grandeur de la création de Dieu, reconnaître à Dieu sa grandeur. Et tout le monde se prosterne, excepté Iblis. Alors la question, encore une fois polémique, qui a fait, qui a été l'origine de longs débats. Iblis, c'était un ange ou c'est un djinn? Parce que le verset dit, mais Iblis était, si vous voulez, le djinn de tous les djinns qui avait un accès aux hauteurs célestes parce qu'il était proche de Dieu. Donc vous vous rendez compte, Iblis, le représentant des diables, des satans, était un proche de Dieu.
Il adore, c'est pas quelqu'un, c'est pas une créature qui est stupide. C'est une créature d'une intelligence exceptionnelle et d'un savoir exceptionnel. C'est un savant, Iblis. Il est proche de Dieu, on dirait il traîne avec les anges, carrément. Et là, quand Dieu ordonne à l'assistance, au public, qui sont que des anges, mais il y a le djinn qui est Iblis, il devait également respecter cette injonction. Et pour ceux qui doutent, vous avez le verset numéro 50 de la sourate la caverne, sourate al-Kahf, où Dieu dit « Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn » Comme ça on évite toute ambiguïté, hein. « Illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala » Donc là, quand la jonction tombe, et quand Dieu ordonne à toute l'assistance de se prosterner, tout le monde se prosterne, tous les anges présents se prosternent. Celui qui refusa de se prosterner, c'est qui? C'est Iblis. Il l'a fait pourquoi? Pas parce qu'il considère, comme le verset le dit, parce que c'est une créature vile, créée d'argile, alors que moi je suis créé de feu. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Et bien savez-vous que c'est par orgueil que Iblis a refusé de se prosterner, il a donc désobéi à Allah. Qui a désobéi à Allah également là-haut? Adam, cette première créature, a également désobéi à Dieu. Adam a désobéi à Allah, Azza wa Jal. Il lui a dit, Adam et ton épouse Ève, tenez, voici le paradis, servez-vous comme vous voulez, à volonté, sauf cet arbre. Ne touchez pas à cet arbre, à ce fruit. C'était la condition. Bon, ben Adam pêche, mais pas par orgueil. Il mange pas de cet arbre par orgueil parce qu'il veut. Il est orgueilleux ou vaniteux. Pourquoi il mange? Parce qu'il n'a pas pu refouler une pulsion. C'est un penchant, hein, cet arbre. J'ai envie de manger de cet arbre. J'ai envie de consommer de ce fruit au paradis. Il a tout le paradis. Mange de tous les autres arbres. Mais c'est la nature humaine. C'est comme quand on dit à quelqu'un. Vous mettez un individu quelconque, hein, devant une série de portes. Il y a 4, 5, 6 portes devant lui. Il y en a qui sont ouvertes, entre-ouvertes. Il y en a une où qui est fermée, mais sur laquelle il n'y a aucune inscription. Et vous mettez une autre porte où vous dites privé, strictement privé, interdit de rentrer, défend. Naturellement, l'inconscient, il veut aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Alors qu'il y en a une autre équivalente à côté sur laquelle il n'y a aucune inscription. C'est comme ça. On veut goûter à cette... Pourquoi c'est interdit? Pourquoi je n'ai pas le droit? Alors Adam, c'est quoi? C'est une passion. C'est une pulsion et une passion à laquelle il n'a pas pu résister. Donc ce qu'on appelle l'hawa en arabe. Al-hawa. La désobéissance. Deux créatures. Un djinn, un être humain. Non pas des moindres. Iblis, le représentant des djinns. Adam, le premier homme. Ils désobéissent tous les deux au même endroit, dans les hauteurs célestes. Il y en a un qui interjette appel immédiatement, qui est Iblis, et il dit « Oh Dieu, pardonne-moi », etc. Et il y a l'autre qui interjette appel à Adam aussi, « Oh Dieu, pardonne-moi ». Dieu accède favorablement à la requête d'Adam. Évidemment, vous le savez, « Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim ». Dieu pardonne à Adam, pourquoi? Ben, il n'a pas pu s'empêcher, il n'a pas pu refouler une pulsion. Il a succombé devant sa passion. Et l'autre, Iblis, c'est par orgueil. Il ne lui a pas pardonné. Et jamais il ne lui pardonnera ça. C'est pas possible. Vous rendez compte? Ce qui a causé la perte de Iblis, c'est l'orgueil. Ça doit pousser tout croyant, de quelque religion que ce soit, tout être humain, tout humaniste, toute créature de Dieu qui se respecte, à méditer justement cette question de vanité, d'orgueil et d'arrogance. Al-Kibr, vous avez des problèmes qui sont monstrueux dans ce bas monde. Il n'y a pas de vraie raison. La seule et unique raison, c'est l'orgueil. Ça commence par la vanité, par des problèmes d'orgueil, de fierté. C'est même pas des questions de dignité. Là encore, c'est respectable. Mais des questions d'orgueil, tout simplement, et de fierté mal placée. Et ça peut engendrer des problèmes parfois irréversibles, aux effets irréversibles. Et c'est pour cette raison que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle le hadith du prophète, le hadith Qudsi,
Donc, message de Dieu. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. N'entrera pas au paradis. Et donc, par définition, ne peut entrer au paradis quelqu'un qui a dans son cœur, dans le cœur, ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Et parmi les attributs divins, vous avez bien sûr Al-Kabir, Al-Mutakabbir. C'est Allah Azza wa Jal. Al-Kabir. Donc la grandeur, la perfection, elle est exclusivement divine. Et celui qui n'arrive pas à relativiser, à méditer ça dans sa vie quotidienne, et je parle, quand je parle de la modération islamique, j'espère que vous suivez le flux, je suis pas hors sujet depuis tout à l'heure. Hein. Là je suis juste en parallèle, c'est le flux parallèle. C'est la question de la modération islamique, la vie de tous les jours. C'est que si l'individu ne se reconsidère pas à plusieurs reprises, ce qui est justement la finalité en droit musulman, vous avez des fondements pour le droit musulman, et pour la charia, vous avez des finalités, ce qu'on appelle al-fiqh, ou la compréhension de la religion, ce qu'on appelle par la loi, la jurisprudence. Il y a des piliers, c'est-à-dire des usul, des fondements, les fondements du droit musulman. Et vous avez la charia, qu'on appelle la charia, qu'on traduit en français par la charia. La charia qui en arabe, je rappelle, signifie juste un chemin. Les arabes utilisaient ce mot avant l'islam pour dire un chemin, une voie. D'ailleurs, comment on dit une rue en arabe? Rue, boulevard, avenue? Charia. Charia, c'est une rue, une avenue. Et le mot charia signifie en arabe également, c'est le participe actif de shara'a yashra'u, c'est-à-dire légiférer, donc le législateur. C'est le même mot. Donc le mot rue ou le mot législateur, c'est le même mot en arabe. Al-shari'u, al-shari'u. Et donc, sharia, elle n'a pas de pilier. Non, elle n'a pas de fondement. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des finalités, des objectifs, des vecteurs directeurs, très très subtils. La sharia, ce n'est pas des commandements, fais ci, fais pas ça, non, non. Ça, c'est trop technique, c'est le fiqh, c'est le droit musulman. C'est à reconsidérer avec, je dirais, le paramètre, le cadre spatio-temporel, systématiquement. C'est où, quand, il y a des circonstances atténuantes, il y a plein de conditions. Mais la charia, c'est la même. La charia, que tout le monde utilise parfois à tort et à travers, la charia de Dieu est éternelle. La charia de Dieu, depuis qu'il créa les cieux et les terres, et jusqu'au jour de la résurrection, elle n'a jamais changé. Donc ce sont des finalités. C'est ce qui garantit à la communauté, quelle qu'elle soit. Ce sont des valeurs humanistes d'abord. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne mens pas, ne nuis pas à ton voisin, respecte tes parents, etc. Assume. Ça, ce sont les directives de Sharia d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas une religion, il n'y en a pas, depuis la première et jusqu'à l'islam, la dernière mise à jour, il n'y a pas un seul prophète qui est venu avec des messages de Sharia différents. C'est la même voie, c'est le même vecteur directeur. Bon, je vous parle du droit musulman et de ses fondements, et je vous parle de la charia et de ses finalités. Si on superpose ces deux éléments, on considérera tous, bien sûr, on comprend pourquoi, quand on parle de al-wasatiyya, le juste milieu, c'est pas, comme je disais en début de discours, chacun qui interprète, oui, selon moi, c'est ça al-wasatiyya. Il y en a, on prend un livre de hadith, un hadith prophète, il a compris ce qu'il a compris du verset coranique ou du hadith prophétique, et il décrète, et il considère même pour lui-même, il s'accorde une fatwa ou deux fatwas, il se permet sans aucun scrupule, sans problème. Oui, donc c'est comme ça, le prophète a dit ça, je comprends du texte cela, donc voilà, il en déduit une série de règles. Et cette déduction, c'est justement un des fondements du droit musulman, au sol fer. Cette déduction, istinbat, hein, déduire des règles religieuses sur la base du texte coranique, de la sunna, du consensus des savants, du traitement par analogie, tous ces fondements du droit musulman, la déduction est une science à part, qui ne peut pas être approchée par un musulman ou une musulmane qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas versé dans la religion, qui n'a pas la maîtrise du texte coranique, la maîtrise de la langue arabe, la maîtrise de l'histoire de l'institut de l'islam, la maîtrise de toutes ces sciences qui confèrent des causes de la révélation, les hadiths et les sciences du hadith. Il doit être versé et il doit avoir passé des années, voire des décennies même, dans l'étude de ces textes et dans, je dirais pas, il étudie pas tout seul. Il doit avoir un maître. Et on a ce qu'on appelle en arabe, comme dans toutes les religions, en islam, la chaîne des transmetteurs.
c'est également un disciple ne peut pas interpréter un verset tout seul, même si c'est un érudit. Il doit entendre le commentaire que lui donne son maître, lequel a eu ce même commentaire de son maître, et ainsi de suite par une chaîne authentifiée jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ouvrages, les moyens technologiques modernes nous aident à aller plus vite, mais ça n'empêche pas, on n'a pas le droit de se permettre des fatwas ou d'aller consulter à tort, mais ça c'est très dangereux, des mouftis de quartier. Pas des imams. Un imam dans un quartier, c'est très bien. L'imam, il a son rôle, c'est son devoir de répondre aux gens, de résoudre leurs problèmes dans chaque quartier, dans chaque mosquée, dans chaque ville. Mais il y a aujourd'hui des jeunes qui, après quelques années d'études rapides et légères, sont désignés par leurs pères, leurs amis dans le quartier. Ah, c'est notre référence, c'est notre imam, c'est notre mufti, c'est notre... Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tant que la religion musulmane continuera à être abordée ou à être, je dirais, vécue comme ça, surtout en Occident et en France notamment, mais il ne faut pas, je dirais, s'attendre à une amélioration de la situation. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et quand les musulmans auront compris que tout le monde est sur le même bateau, et qu'il ne faut pas, si vous voulez, par orgueil, justement, par fierté, ne pas reconnaître la direction. Non, moi je veux aller à droite, je veux aller à bâbord, non, à tribord, je veux de ce côté. On ne peut pas. La communauté qui se déchire et le bateau qui coulera, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette belle image, c'est cette métaphore. Il dit, celui qui est sur le droit chemin, celui qui œuvre pour le salut de l'intérêt général, pour le salut de la communauté, et celui qui ne pense qu'à sa pomme, il compare ça à deux groupes d'individus qui tirent au sort, ils montent sur un bateau, et il y a une partie de ces personnes qui va vivre sur le pont, là-haut, et une partie qui va vivre dans la cale du bateau. Bon, on est en pleine mer, donc il y a des gens qui ont été tirés au sort et qui vont être dans la cale, et d'autres qui sont sur le pont. Et à chaque fois que ceux qui sont dans la cale ont besoin d'eau, eh ben ils montent sur le pont pour demander aux autres, et puis pour prendre de l'eau de la mer, puiser de l'eau. Un jour, un individu, une personne parmi ceux qui sont dans la cale, dit, cessons de déranger toujours là les gens qui sont passés par le pont. Allez, on va casser la cale et on aura de l'eau. Là, on va perforer le bateau et puis l'eau va jaillir. Pourquoi on va être dérangé? Alors évidemment, le prophète dit, si les gens l'écoutent, l'entendent et ne font rien, n'agissent pas, ne réagissent pas, ben, tout le monde périra. Mais si les gens interviennent, et je dirais c'est un peu, ça nous rappelle, nous avons une certaine, ici dans ce hadith, on se souvient de Platon, hein, la République, le livre 7 et livre 10, l'allégorie de la caverne. Ouais, celui qui va, c'est les gens qui sont assis, enchaînés, qui voient, qui regardent les ombres défiler alors que ce sont que des objets. C'est les ombres alors qu'ils croient que ce sont les objets. Ben, c'est un peu pareil, c'est l'altruisme. C'est un peu ça, si on pense pas à l'autre, on lui dit pas et on va pas réparer avant que ce soit irréparable, ben, tout le monde périra, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on le laisse, tout le monde périra, mais si on intervient, alors tout le monde sera sauvé. C'est ainsi. Il faut savoir s'oublier au profit de l'intérêt général, au profit de l'intérêt de la communauté, au profit de l'intérêt de la collectivité. Et ça, cet altruisme-là, ce n'est pas une option, c'est une partie intégrante, intrinsèque même aux valeurs du Coran. Dans le Coran, vous n'avez pas des histoires, vous avez des histoires de prophètes, mais il y a même des histoires d'hommes comme vous et moi et de femmes. Les histoires d'individus normaux, ils sont pas au degré des prophètes parce qu'ils n'ont pas reçu de révélation, mais ils sont au même degré, comme dit le prophète, si ce n'est qu'ils ne reçoivent de révélation. Pourquoi? Des individus normaux. Parce qu'ils ont compris le sens des valeurs de leur religion. Ce n'est ni le laxisme latent, ni cette, j'aime pas ces mots d'extrémisme, mais c'est les gens qui ont parfois qui sont dans un engrenage et qui ne constatent que le mal, que l'illicite, que l'innovation. Des gens qui ne parlent que de l'innovation de la bid'a, ou de l'égarement, de dalal,
ou de la faute, al-khata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un langage dans ses hadiths. Il suffit de faire une étude lexicographique et lexicométrique de tous les hadiths, déclarations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez que même pour dire ça c'est mal, il disait ça c'est pas bien. Il utilisait un vocabulaire laudatif, positif. Il y a même psychologiquement encourageant. Et c'est comme ça qu'on éduque les petits et les grands. Mais le fait d'avoir un vocabulaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on transgressait une limite de Dieu, il était d'une, dans ses propos, il était d'une violence incontrôlable. On ne le contrôlait plus. C'est-à-dire qu'il mettait en garde, non pas pour punir, mais pour, par amour de la personne. Attention à ne pas recommencer ce péché, c'est gravissime. J'ai peur pour toi, hein, de l'enfer. Et donc c'est pour ça qu'il était violent. Alors qu'aujourd'hui, on a pour des futilités, on a des propos qui sont d'une vulgarité, qui sont même interprétables de différentes manières. On a des propos violents dans un vocabulaire arabe qui est, machallah, des plus riches des langues du monde. Un vocabulaire, nous avons des racines arabes qui datent de la période pré-islamique. Et pour exprimer votre idée, votre opinion, votre avis, mais on a l'embarras du choix, comme dit Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, le cousin et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un grand rhéteur, un grand orateur. Et Ali ibn Abi Talib avait, dans ses khotab, dans ses expressions, il avait une sélection qui était quand même une des plus fines. Et comment éduquer les petits comme les grands, les hommes, les femmes, s'adresser pas simplement à un public, s'adresser à ses amis, à sa famille, à ses voisins, à son entourage, aux gens en général. Choisir son vocabulaire, ça fait partie également de l'éthique du croyant. Et quand je parle donc maintenant dans le vif du sujet de l'wasatiya, de la racine wasata en arabe, pour revenir dans le cru, la modération islamique, que beaucoup de savants ont évoqué, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète, je vous disais, on lui proposait deux options, il n'hésitait pas une seconde. Bon, il y a l'option A, l'option B. C'est laquelle la plus simple, la plus facile? De toute façon, je serai récompensé. Eh ben, j'utilise la plus simple, la plus facile. Ça ne veut pas dire que je suis laxiste. On me propose, moi, en été, dans un séjour, par exemple, même un séjour religieux, allez, va faire une umra en plein été, ça cogne. Et on me propose une chambre climatisée et une chambre non climatisée. Il fait 50 degrés dehors. Bon, non, je veux plus de hasanat, je veux souffrir et suer. Je veux la chambre non climatisée. Au même prix. Je prends un exemple. Hein. Il y a des gens qui vont penser ça. Ils vont penser qu'en souffrant, ils auront davantage de hasanat. Un épisode dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort vers midi, quand le soleil cogne. Fait très très chaud, il n'y a personne à l'horizon, et en plein milieu, derrière, c'est à Médine ça, dans la banlieue de Médine, il y a un compagnon du prophète qui est en train de faire salat d'ohr, dehors sous le soleil, qui cogne. Le prophète passe rapidement et lui dit, il a des compagnons, il pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Que fait-il? Il s'attendait, il dit, ah, il voulait prier sous le soleil et souffrir pour avoir plus de hasanat. Il dit, dites-lui d'aller à l'ombre, de prier. Il fait n'importe quoi, pour résumer tous les propos. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit qu'en priant sous le soleil, à midi, sous la chaleur, en se froid, il va avoir davantage de hasanat. Mais c'est pas ça. Et ça, c'est la mauvaise compréhension de la religion. Parfois, on a également d'autres comportements dans la vie de tous les jours. Hein. On peut rebondir sur 40, 50 exemples. Il y a des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui considèrent, écoutez bien, que même sourire, c'est pas un péché, mais ils disent, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est jovial, quelqu'un qui exprime sa joie de vivre, même s'il a les pires pépins de la planète, s'il a tous les propres pépins, mais il sourit, il est jovial. Quels sont les commentaires qui parfois fusent? Ah, celle-là, elle est légère, hein. Celle-là, pas très sérieuse. Hein. Celui-là, il rigole trop, hein, il sourit trop. Bah, moi, je ne serais pas très... Hein, non. Alors, on considère qu'avoir, si vous voulez, les traits tirés artificiellement. Hein. Et puis après, ça devient une nature, presque. Hein, après, malheureusement, l'habitude. C'est, il ne faut jamais sourire, il faut avoir le regard grave. Et puis ça, c'est un signe représentatif de quoi? Tiens, bah, ça traduit la piété. Mashallah, quel croyant, il est toujours triste. Pourquoi? Pourquoi le Coran et la Sunna, pourquoi on ne les lit pas comme le prophète a voulu qu'on les lise et comme il a expliqué? Allah Azza wa Jal, Dieu,
aime que ses créatures soient belles, dans le sens, non pas de, on va entrer dans le débat de, philosophique du beau, mais belles, c'est-à-dire moralement, qu'elles soient avec des comportements dignes. Et quand les musulmans ou la musulmane s'écartent justement, s'éloignent de ce juste milieu qui est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien malheureusement, on a ces écarts-là. Pourquoi l'individu ne serait pas souriant? Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était toujours souriant. Il avait des galères, des périodes terribles. Et quand il croise quelqu'un dans la rue, il feignait d'être le plus heureux des hommes, qui n'a aucun souci. Et c'est pas non plus le rire jaune, instantané, hein, non, c'est même pas ça. C'est pour l'intention qui compte. Être, si vous voulez, quelqu'un, imaginez-vous, on prend un exemple concret. Allez, vous êtes invité chez quelqu'un, ou vous avez un invité, vous recevez un invité. Il frappe à votre porte, vous l'invite, il entre, marhaban, je t'en prie, entre. Ces premiers moments sont des moments où il y a une hypersensibilité. Tout le monde est, ouais, c'est des capteurs que Dieu a créés en chacun. Tout le monde est hypersensible. La manière de parler, la manière, la gestuelle, comment on accueille. Il y en a qui sont très hospitaliers, qui le montrent, hein, qui vont même dans l'exagération. Marhaban, et puis ça, il va, c'est bien. Allez, tout de suite, je vais égorger, immoler deux moutons. Allez, c'est parti. Je suis heureux de t'accueillir. D'autres qui vont faire avec un peu plus, la même chose avec un peu plus de sobriété. Mais en tout cas, tout de suite, si celui qui est invité, ouais, ressent chez son hôte, et là, j'ai la personne qui l'accueille, ressent un sentiment de rejet, mais s'il ressent une froideur, cet individu, il est passif. Naturellement, ça peut, au pire, ça va laisser des séquelles, quelle que soit la personne, ses parents, ses amis. Al-Rasoul, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Écoutez-moi ces propos de l'Wasatiyya. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Dans la foulée, continue. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son invité. C'est-à-dire généreux, non pas il lui donne à manger des plats variés, c'est pas ça. C'est qu'il soit digne. Et celui qui croit au jour dernier, et qu'il soit bon avec son voisin. Et vous avez des hadiths comme ça qui éduquent n'importe quel croyant, n'importe quelle croyante, sur des bases humanistes. Même des athées, même des gens qui n'ont absolument aucun... Des athées, des athéistes, ou d'autres qui n'ont qu'un credo, ni foi, ni loi, considèrent qu'il y a que ces valeurs sont humanistes et naturelles, et normales, respecter l'autre. Donc qu'en est-il du croyant qui peut être bon avec Dieu en apparence et dans son adoration, mais qui, avec ses comportements avec autrui, va tout simplement détruire le principe fondamental de l'islam, qui est celui d'attirer vers lui, je veux dire, d'envoyer du forme. Comme dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux être la cause, écoutez bien, de l'éloignement de quelqu'un. Dans le Coran, il reprend le verset, il dit: combien de personnes disent ou font des choses et ils sont la cause de l'éloignement de beaucoup d'individus de l'islam. Quand on parle d'islamophobie, quand on parle aujourd'hui d'islamophobie, maintenant c'est devenu, c'est comme l'antisémitisme, hein, c'est l'antisémitisme, l'islamophobie, et ça va continuer, hein, ça va être de mal en pis, hein, c'est que le début. Bon, alors il faut faire en sorte que ça ne soit plus de mal en pis, mais que ça s'améliore. Que devons-nous faire? Le concept, cette islamophobie, elle est toute jeune. Ça rire, du moins en apparence, dans la communication. Pour la question de l'islamophobie, si les musulmans, donc intéressés, concernés directement, les musulmans, ne sont pas dignes des préceptes même du Coran et de la Sunna, dans leur comportement, ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, hors sphère de la pratique, hors sphère de la ibadah, si les musulmans ne font pas le nécessaire pour donner pas un bon visage, mais le visage tout simple, le véritable visage de l'islam, par leur comportement, l'islamophobie va empirer, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas accuser des gens, il ne faut pas dire ces personnes sont islamophobes,
Elle déteste, elle ne supporte pas l'islam. Bon, ben, sur des éléments factuels, n'importe quel être humain sensé, ouais, si on prend en focalisation externe hein, et qu'on considère que des paramètres rationnels, oui, mettez-vous à la place de quelqu'un qui subit des nuisances matin, midi et soir par des gens qui, et en apparence, et qui même le déclarent, sont dans la communauté, sont du même bateau que le nôtre. On est tous sur le même bateau. Comment voulez-vous que la réaction soit ? Il ne faut pas non plus aller outre, si vous voulez, les considérations rationnelles. La communauté musulmane doit défendre, écoutez bien, chacun se doit de se défendre s'il y a tout ce qui est racisme, si on transgresse les lois, s'il y a un préjudice qui est commis, s'il y a toutes ces formes, je dirais, de xénophobie, de racisme, le musulman, comme l'individu, le respect de l'individu, on a l'obligation de se défendre et on doit se défendre. Mais il faut qu'en parallèle, il faut faire passer en revue ces éléments sociétaux, ces questions sociétales, il faut les toiletter un petit peu, tout simplement les dépoussiérer pour que ce qui existe dans les textes originels, les textes de l'islam, bah, soit traduit par les musulmans représentant cette religion véritablement et non pas que ce soit usurpé ou qu'il y ait une partie de la communauté qui a, je dirais, des préjugés ou qui a une manière d'appréhender la religion qui soit la vitrine de notre religion. Voilà pourquoi c'est un devoir qui incombe non pas aux représentants du culte musulman ou des mosquées ou des imams ou des responsables ou ou de la intelligentsia musulmana de quelle communauté. C'est pas vrai. Ça commence dans le cœur de chaque croyant et dans le foyer de chaque croyant. Les jeunes comme les vieux, les hommes comme les femmes se doivent d'agir. On ne demande pas, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chacun serait. Vous êtes responsable de votre environnement, vous n'êtes pas responsable de toute la communauté. Vous suivez ? Et plus on est responsable, et plus ça devient dangereux. Mais chacun est responsable de son environnement. Donc chacun parmi nous peut agir à son niveau, ça rire, avec plus ou moins d'influence, et c'est ça qui est un devoir. C'est ça qui est un devoir en islam. Voilà pourquoi il ne faut pas combattre, parce que le mot combattre, déjà, c'est un mot qui est violent, mais la modération islamique, c'est un peu, si vous voulez, comme des vases communicants, c'est quelque chose qui doit être... C'est très souple. La modération est une souplesse. Il ne faut pas se laisser tomber dans le laxisme. Comme je disais en début de discours, les musulmans qui considèrent que la religion, c'est quelques affinités avec des événements, le mois de Ramadan et 5 prières par jour. Et puis par ailleurs, il n'y a absolument aucun exercice spirituel. Ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est pas simplement contestable. C'est même dangereux. Et on peut tomber carrément dans l'abandon des actes cultuels. Et là, on sort de la sphère musulmane. Et il ne faut surtout pas non plus aller dans l'extrême. Et je rappelle cette tradition prophétique authentique, celle des trois jeunes, à l'époque du prophète, trois jeunes hommes qui ont voulu être plus royalistes que le roi, plus prophètes que le prophète Mohammed, sont plus croyants, et qui ont décrété tous les trois. On dit, mais qu'est-ce que c'est ? Le prophète, mais quel est ce prophète ? On reconnaît sa prophétie, nous sommes musulmans, ces trois jeunes à l'époque du prophète, hein, et qui déclarèrent, le premier, oui, mais apparemment le prophète dort la nuit. Il dort de temps en temps. C'est un prophète, le prophète de Dieu, bon, il doit passer ses nuits à veiller. Le deuxième, de déclarer, oui, mais en plus, j'ai appris que, je l'ai vu, il mange, hein, il jeûne de temps en temps, mais il mange, il arrive de manger. Donc pour eux, voyez, un musulman modèle, prophète, c'est, il doit jeûner tous les jours, et il doit veiller toutes les nuits. En d'autres termes, toujours en jeûne, et quand vient la nuit, il mange un petit peu, il rompt son jeûne, et il passe sa nuit à prier. Et le troisième, de dire, mais en plus, il est marié. Occupation terrestre, ça encore. Il est marié. Alors le troisième jeune de dire, bon, le premier dit, moi je vais donner l'exemple, hein, vous voyez, il y a le prophète qui est parmi eux. Il dit, moi je vais m'abstenir de manger, je jeûnerai tous les jours. Il a jeûné, donnez l'exemple, hein. Il croyait donner l'exemple, donc je jeûnerai tout le temps. Et le deuxième jeune de déclarer, et moi je veillerai toutes les nuits, je m'engage à veiller toutes les nuits, je passerai des nuits dans l'adoration. Et le troisième de dire, moi... je ne me marierai jamais pour ne pas avoir d'occupation terrestre. Je vais être dans l'exercice spirituel permanent. Évidemment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend ce qui vient d'être dit par ces trois jeunes, évidemment, il les convoque. Et sur la scène publique, il faut que c'est une déclaration officielle.
C'est pas une punition, c'est une éducation. Et suivez bien l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'éducateur, c'est ce qu'il déclare. Et là, il leur dit, je suis la meilleure créature de Dieu. Il le dit pas par orgueil. Il le rappelle simplement, hein, c'est en titre, je dirais, la première phrase. Ana khayrukum, je suis le plus pieux d'entre vous. Je suis la créature que Dieu a choisie pour recevoir la révélation, pour transmettre le message. Et je jeûne, et je mange. Et il m'arrive d'avoir des nuits où je passe toute la nuit à prier, à adorer Dieu. Et il y a des nuits où je dors, je me repose. En fait, c'est un être humain, c'est pas un ange de prophète. C'est un être humain. Et je me marie. Et telle est ma voix. La voix de tous les êtres humains normalement constitués qui sont équilibrés. Et celui qui se détourne de ma voie, de mon chemin, il n'est pas des nôtres. Vous avez compris le message du prophète même. C'est-à-dire que aller vers l'extrême, pousser le bouchon trop loin, eh ben c'est contraire même au principe du prophète premier. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, donc, je vous recommande vivement la lecture. C'est une traduction qui a été faite, hein, une très bonne traduction de l'ouvrage de Cheikh Al-Qaradawi sur la question de Wasatiya. C'est un livre de chevet, ça se lit en une soirée ou deux, c'est rapide, hein, mais ils sont à votre disposition. La modération islamique, c'est le Wasatiya et ses caractéristiques. Je vous la recommande vivement. C'est une lecture qui est très rapide, mais c'est synthétique. Et barakallahu fikum, que Dieu vous aide à une compréhension meilleure de la religion et toujours une remise en question perpétuelle et de s'éloigner au maximum de toute arrogance qui peut parfois avoir des effets irréversibles. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله